de matière brûlée. De lâche. Niveau explosif. La route s'est effondrée à divers endroits. Il est difficile les mecs de marcher dessus. Ils y sont pas, allés de niveau explosif. Messieurs, dames, appréciez-vous ce voyage dans le monde de la Shinra? Nous espérons que vous avez appris beaucoup sur la Shinra et son président. N'est-ce pas une chance incroyable de pouvoir voir tous ces objets lui appartenant? Dans la prochaine partie, vous allez pouvoir en apprendre plus sur les activités de la Shinra. Nous allons vous exposer en détail chacun de nos départements. Vous allez probablement apprendre des choses que vous ne saviez pas encore sur la Shinra. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On les connaît bien, ceux-là. Ils en ont perdu des unités à cause de nous. Veuillez nous excuser. L'exposition du département de l'armement est en cours de maintenance. Bienvenue à la Toshinra. Je suis le directeur du département de l'exploration spatiale. Notre mission était d'utiliser les puissants systèmes de propulsion de nos missiles pour aller explorer l'espace et récupérer un maximum de ressources. Malheureusement, maintenant qu'on a la Mako, ce n'est plus nécessaire et nos projets sont tous en suspens. Je trouve que c'est quand même dommage. Soyez les bienvenus au siège de la compagnie Shinra. Ah, je pense qu'aucun de vous n'a les capacités de comprendre un dixième des recherches de mon département. Du coup, ce n'est pas la peine que je vous explique en détail. Mais soyez assurés que la science avance à grands pas grâce à elle. En revanche, devoir enregistrer cette annonce m'a fait perdre du temps. Vous m'excuserez, mais je suis un homme occupé et je n'ai pas que ça à faire. Je retourne à mes recherches. Au revoir.
Incroyable, non? La Shinra fait de son mieux pour développer ses activités, travaillant toujours plus pour le bonheur et la sécurité des citoyens de Midgar. Notre but est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer la tranquillité de tous nos concitoyens. Dans la prochaine partie, vous allez pouvoir en apprendre plus sur la Mako, les réacteurs, ainsi que sur Midgar. Je suis sûre que vous avez tous hâte de tout connaître en détail. La maquette qui se trouve devant vous est une reproduction au 1/10 millième de la cité de Midgar. Comme vous pouvez le voir, il existe 8 réacteurs Mako disposés en cercle autour de la ville. Ils ont pour fonction d'alimenter chaque jour la cité. L'énergie Mako est une ressource naturelle inépuisable issue du sol que nous exploitons pour le bien de la population. Nous commençons par l'extraire, puis nous la convertissons en électricité où nous l'utilisons comme combustible ultra-performant. Le don de l'énergie Mako a apporté de nombreux bienfaits à l'ensemble de la population. Grâce à elle, la métropole de Midgar est devenue une ville toujours éclairée qui ne dort jamais et s'est hissée au rang de première capitale du monde moderne. Que des foutaises, tout ça. On peut pas nier que l'énergie Mako améliore la vie des gens. Avoir plus de confort, ça ne fait qu'endormir les consciences. Moi aussi, je croyais à tous ces trucs avant. Franchement, ça me fout les boules quand j'y repense. Vous êtes maintenant un expert Shinra. Vous pouvez vous rendre au 61e étage que nous utilisons pour développer de nouvelles technologies. Veuillez vous rendre au hall des médias visuels pour continuer la visite. À cet étage, le hall des médias visuels, la Shinra met en œuvre les dernières technologies pour créer un tout nouveau genre de cinéma à apprécier avec vos 5 sens. Nous espérons que l'expérience vous plaira. Avez-vous regardé le film? Y a que dalle ici. Attention! Autrefois, sur cette planète, vivait un peuple que l'on connaît de nos jours sous le nom d'Anciens. Ce sont eux qui ont rendu notre monde habitable. Ils se servaient de l'énergie qui sommeille au plus profond de la planète. Cette énergie indispensable que nous utilisons tous les jours, c'est bien entendu la Mako. Et ce n'est pas tout. Les Anciens possédaient non seulement la Mako, mais ils possédaient également le savoir-faire pour l'exploiter. Certaines des matérias que nous pouvons trouver aujourd'hui sont des témoignages de la fantastique technologie de l'époque. Comme le dit le célèbre dicton, nous autres, de la planète nous naissons, avec elle nous parlons et sa voix nous écoutons. Et un jour, à la terre promise, nous retournerons.
Le bonheur suprême nous attend. Sur cette terre du destin, don de la planète. Cependant, cette civilisation est de nos jours éteinte. Il y a 2000 ans, un astéroïde s'est écrasé sur la planète, causant la fin des anciens. Une question demeure. Ce peuple a-t-il fini par trouver sa terre promise? Malheureusement, nous ne le saurons jamais. Les siècles ont passé, et la compagnie Shinra continue de nos jours à poursuivre l'œuvre des anciens, en conservant de nouvelles méthodes pour transformer et exploiter la Mako. Un climat très doux, une nature luxuriante, et surtout, une source de Mako inépuisable. Tel est le paradis qui, quelque part sur notre planète, attend patiemment notre venue. Nous, à la Shinra, considérons que notre mission est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver cette terre promise des anciens. Nous n'arrêterons pas avant que ce rêve, votre rêve, ne se réalise. Hein? C'est fini? Sephiroth. Alors ça, c'est vraiment étrange.